Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux tôt ce matin en début de cette journée du Salon de la Data. Donc, je suis l'adjoint chef des prêts, je suis le chef d'un bureau d'audit, on va dire, en sûreté pour l'état-major départemental de la gendarmerie en Loire-Atlantique. Alors, je ne suis pas un technicien cyber, alors vous avez demandé pourquoi je suis là. C'est que, comme vous le voyez sur le titre de ma présentation, les cybercriminels, quelle que soit leur origine, ont une finalité ou un mode opératoire qui peuvent avoir une intention différente. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le sujet de la sécurité économique des entreprises et vous verrez quelques exemples que, effectivement, la finalité du délinquant n'est pas forcément la même tout en utilisant les mêmes modes opératoires sur le cyberespace. Donc, pour la petite séance, hein, moins d'une demi-heure, on va y aller doucement pour ce début de journée. Donc, je vous rappellerai quelle est la définition de l'intelligence économique, hein, qui est un grand mot, mais vous allez voir pourquoi on a cette architecture. Quels sont les différents acteurs dans cet écosystème? Et puis, faire un inventaire des risques et des menaces avant de faire une synthèse de cette demi-heure ensemble. Donc, l'intelligence économique, vous connaissez peut-être davantage le terme de sécurité économique des entreprises, qui est un des trois pans de l'intelligence économique. Vous voyez, vous avez aussi la veille et l'influence. Donc la veille, elle peut être juridique ou sur la concurrence, par exemple. C'est-à-dire que forcément, quand on a un quasi-pôle et que le principal concurrent produit à peu près la même chose, il peut être intéressant de voir où il en est, en toute légalité, hein, pour ne pas prendre de retard sur lui. La veille, elle est aussi justement sur les différents brevets ou normes internationales qui peuvent être déposées ou dont l'obligation de mise en œuvre est devenue un fait. Et donc forcément, si vous êtes en retard sur ce genre de process, vous prenez du retard par rapport à la concurrence. Voilà. L'influence, c'est l'aspect inverse, c'est-à-dire pourquoi pas créer des nouvelles normes qui contraignent la concurrence à s'adapter et puis à dépenser un petit peu d'argent. Et donc forcément, c'est favorable quand c'est vous qui êtes à l'initiative de ces créations de nouvelles normes. Et puis voir quels sont les nouveaux marchés. Et donc ça va de l'influence administrative à l'influence juridique. Et forcément, l'écosystème économique, hein, pour ceux qui sont déjà dans le métier, vous imaginez bien qu'il faut convaincre à la fois l'acheteur, mais aussi convaincre les décideurs locaux. Voilà. Et enfin, la sécurité économique des entreprises. C'est le cœur du métier, c'est la protection du patrimoine immatériel de l'entreprise, c'est-à-dire les savoir-faire, les solutions numériques adaptées à l'entreprise, comme l'ordinateur que j'ai par exemple aujourd'hui, hein, avec un Ubuntu qui est un Unix, allez-y, je vous en prie, un Ubuntu qui est un Unix qui est adapté à la gendarmerie pour que justement on ne facilite pas le travail des cybercriminels, hein, donc on appelle ça le Jambuntu. Parce qu'on est très narcissique, on adore mettre du genre de partout dans tout notre vocabulaire un petit peu technique. Voilà. Et donc, c'est aussi l'intérêt pour l'entreprise de protéger ses savoir-faire. Ça peut être aussi des outils adaptés, des outils manuels, adaptés à la solution industrielle de l'entreprise. Hein. Donc, tous ces savoir-faire uniques, c'est ce qu'il faut protéger. C'est ce patrimoine industriel et immatériel de l'entreprise qui est la convoitise de la concurrence, il faut être clair. Donc, par exemple, je le disais tout à l'heure en aparté, vous avez une société de sous-traitance en nettoyage. Hein. Alors, c'est le scénario le plus communément communiqué. C'est-à-dire que vous avez l'homme ou la femme de ménage qui intervient la nuit, en l'absence de tout professionnel dans l'entreprise, qui a les clés de l'ensemble des bureaux et qui a accès à l'ensemble des données. Alors, les données ne sont pas forcément dématérialisées, elles peuvent être encore sur un tableau blanc, sur des post-it, sur le bureau de la personne en question. Mais vous avez aussi les données dématérialisées. Donc, si votre réseau n'est pas sécurisé, que votre ordinateur de bureau n'est pas éteint, il suffit de mettre une clé USB, soit pour neutraliser le réseau, soit pour capter des données. Il hein, faut être clair. Voilà, il y a des solutions, des logiciels de détection de frappe ou des killcams pour détruire la carte mère ou le disque dur de l'ordinateur. Et donc, vous voyez, vous avez des solutions de cybercriminalité qui sont lié à un facteur humain. C'est-à-dire que rien ne remplace l'humain en matière de protection et de sûreté, mais rien ne remplace l'humain en termes d'espionnage industriel. Et ça va de la captation de l'information, donc du savoir-faire, jusqu'au sabotage. C'est-à-dire, si vous avez un concurrent principal qui l'est mis en défaut de paiement, c'est toujours intéressant quand vous n'êtes pas concerné et que vous êtes son principal concurrent. C'est assez déloyal, mais c'est le jeu, malheureusement. Hein, on le voit sur certains marchés internationaux, y compris au sein de l'Union européenne, que la compétition fait rage et fait des dégâts.
les autres acteurs de l'intelligence économique. Donc, le leadership, c'est le ministère des Finances, avec la direction générale des entreprises. Vous avez la direction des services fiscaux, hein, ceux qui prélèvent et qui redistribuent un petit peu, et la direction générale des entreprises, qui sont là pour accompagner les entreprises et contrôler administrativement le bon fonctionnement et économiquement la viabilité des entreprises. Là-dedans, il y a un CIS, un commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique des entreprises, qui a son propre service, hein, le service de l'information stratégique et de sécurité économique. Et en région, vous avez un délégué. Voilà. Donc on a une déléguée, c'est une femme ici, Madame Carvela, qui représente ce service et qui pilote au niveau régional la sécurité économique et la protection des entreprises. Donc ça, c'est la filière avec le meneur. Et forcément, chaque ministère a ses agents spécialisés. Donc forcément, gendarmerie, c'est plutôt la filière renseignement parce que vous avez une entreprise qui aurait un mouvement social en cours. Bah, il y a le rayonnement de l'entreprise, d'une part. Ça, on peut avoir une perte de confiance. Ça peut être un mouvement déguisé avec un soulèvement financé comme une certaine période de la guerre froide. Et puis donc en gendarmerie, c'est plutôt la filière de renseignement intérieur qui pilote ce genre de réseau. Allez-y, je vous en prie, c'est pas grave. Et donc vous avez également les grandes directions. Donc à l'intérieur, la direction générale de la sécurité intérieure, hein, qui est adossé à la police nationale, qui fait la contre-ingérence, donc qui va lutter contre l'espionnage industriel qui vient de l'extérieur. Et vous avez la DRSD, donc là, c'est un ministère des Armées, Direction du renseignement et de sécurité de la défense, qui est là pour protéger les entreprises qui travaillent pour la défense, pareil contre l'ingérence et l'espionnage industriel. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs, d'où l'intérêt d'avoir un délégué régional qui coordonne tout ça, hein, et c'est la même chose en cyber, c'est la même chose en sûreté des OIV ou des OSE, pour ceux qui connaissent ces législations, hein, ou en sûreté portuaire. Voilà, vous avez des législations spécifiques qui permettent de protéger le tissu industriel et les savoir-faire français. Une fois qu'on a les personnes pour vous sensibiliser, vous accompagner dans votre démarche de mise en sûreté et contrôler un petit peu votre activité, hein, vous avez forcément un inventaire des risques et des menaces à faire. Alors l'inventaire des risques, comparé aux menaces, c'est quels sont les objectifs de l'adversaire? Quel est le cœur de la cible? Qu'est-ce qui est intéressant pour le délinquant notoire ou pour l'espion dans l'entreprise? Donc, il faut faire un inventaire de ce qui est précieux pour vous. Hein. Donc, pour certains, ça sera du carburant. Pour d'autres, ça sera une solution numérique, hein, ou les plans d'un porte-avions, voilà, suivant pour qui vous travaillez. Les conséquences pour l'entreprise. Donc, qu'est-ce sera... S'il y a de la duplication des savoir-faire, quel sera le dommage pour l'entreprise? Si c'est la neutralisation de l'activité, quelle sera la perte d'exploitation? Donc ça, c'est le côté financier. Mais l'importance de l'atteinte à l'image de l'entreprise. Et puis, quelle est la capacité de résilience, hein? En combien de temps on peut remonter la pente après une attaque, qu'elle soit cyber ou un sabotage plutôt physique? Voilà. Donc vous voyez, il y a toujours ces deux vecteurs possibles et qui peuvent être ensemble. Je vous l'ai dit avec l'exemple de la Kilkay, il y a du sabotage qui peut se faire de manière numérique, à distance ou en présentiel. Voilà. Donc vous voyez les principales actions, les plus connues en tout cas, et qui existent toujours. Ce n'est pas des faits qui ont été déjà inventés par la guerre froide, ça existait avant, et ça ne s'est pas arrêté depuis la chute du rideau de fer. Ça existe toujours. Il suffit d'écouter un petit peu la presse économique, et on voit que ça continue, y compris avec nos alliés. Voilà. Après cet inventaire des risques, l'inventaire des menaces. Quels sont les modes opératoires et quels sont les acteurs de cette criminalité? Donc on a des mercenaires du net, hein, qui travaillent au plus haut franc, des fois qui sont sous-traités par un service étatique, hein, voilà, ça c'est aussi, c'est pas un secret, hein, mais vous avez aussi l'étudiant, hein, il y en a peut-être parmi vous d'ailleurs, on ne sait jamais, il y a aussi des étudiants qui veulent faire la démonstration de leur capacité à nuire, tout simplement. Alors soit par conviction politique, hein, voilà, on voit ça aussi, quand on n'est pas concerné, c'est plutôt... ça peut faire sourire, mais bon, quand on le subit, ça doit être beaucoup moins rigolo. Hein, donc vous avez l'étudiant qui fait la démonstration de sa capacité à nuire. Vous avez le criminel organisé, mais qui est assez isolé, qui va réussir à voler des données et puis les revendre sur le darknet. Vous avez des groupes
structurée, hein, de la délinquance organisée qui fait du trafic sur Internet, etc. Avec, ça peut être trafic de données médicales ou des identités pour falsifier des documents, obtenir des faveurs ou des finances particulières. Et puis après, vous avez les services de l'État qui sont là pour nuire à une entreprise concurrente sur un marché international de l'armement, par exemple. Ça, c'est le cas le plus classique. Donc, quand on veut vendre des avions ou des sous-marins, on a des services de l'État qui sont là pour ça. Chez nous, c'est la DGSE, ministère des Armées, et chaque État a son service. Voilà. Donc, chacun a aussi une intention de mettre en valeur l'entreprise qui représente notre chère République, et aussi de protéger le patrimoine industriel français à l'étranger. Voilà, c'est aussi, on a des succursales, on a des points d'accroche parce qu'on a des partenariats industriels. Et puis des fois, dans les contrats, je parle de l'armement, mais c'est la même chose pour l'aéronautique ou le naval, hein, il y a des fois une partie de la production qui se fait à l'étranger parce que c'est dans le contrat, parce que sinon, on n'obtient pas, le marché est limité et c'est une obligation dans le contrat. Voilà. Donc vous avez aussi les intentions, pourquoi elle se fait, donc purement crapuleux, vol de données pour obtenir de l'argent. Vol de données pour copier les données, hein, ou on a le rançongiciel. Donc là, on demande de l'argent directement en neutralisant des données, en les cryptant, sachant qu'on n'a aucune garantie de récupérer les données en ayant payé leur rançon. Et puis, les États souverains, comme je l'ai dit. La synthèse, je vous l'ai dit, rien ne remplace l'humain. Toujours, par exemple, en sécurité économique, on pense souvent à la dématérialisation des données. Donc c'est pour ça que la synthèse, c'est ce qui est le plus intéressant dans ma présentation, parce que c'est là où on rentre dans le détail avec des exemples. Hein, vous avez une source d'approvisionnement de matériaux, parce que vous fabriquez quelque chose en bois ou en métal. Voilà. Votre concurrent fait à peu près la même chose, dans des tarifs à peu près similaires. Votre fournisseur, peut-être le même. Si, par exemple, votre concurrent achète votre fournisseur, est-ce que vous pensez que vous allez être à l'aise dans vos relations avec votre fournisseur, sachant qu'il est censé être objectif et travailler en toute indépendance? Mais je pense qu'il va faciliter la production industrielle de son actionnaire principal et un petit peu être moins assidu et faire un peu moins de zèle avec avec le concurrent qui est aussi un client. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. On parle du bois, du métal, etc. Et surtout dans le milieu industrie lourde avec les métaux, précieux, semi-précieux, ou même l'acier, on voit que souvent, on aime bien être propriétaire de sa filière. Par exemple, la filière du nucléaire civil s'est constituée ainsi. C'est-à-dire que vous avez un cluster, ils appellent ça comme ça, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Hein, donc ils ont une autoprotection dans la filière, et ça va du logisticien à la fonderie de plomb. C'est-à-dire que l'ensemble de la filière s'auto-protège et auto-bienveillante. Et donc, ils arrivent à déceler la problématique particulière dans la maille. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne qui est viable, qui est souvent dupliquée. C'est-à-dire que quand on peut, c'est bien d'avoir une solution de secours. Et donc, l'intérêt, c'est si vous avez une entreprise qui vous fournit, qui est défaillante, pas forcément rachetée par un concurrent, mais qui peut être défaillante. Excusez-moi, je regarde la montre parce que j'ai le temps illimité. Forcément, cette défaillance pose problème à l'entreprise que vous êtes. Donc forcément, l'intérêt, c'est d'avoir tout en double. Et c'est souvent le cas. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des entrepreneurs, mais que ce soit en fourniture de carburant, les palettes, mais aussi la logistique. C'est-à-dire que soit on a son propre service de logistique, mais là aussi... Imaginons qu'en sécurité économique, c'est un phénomène que j'ai déjà pu constater, vous avez un collaborateur défaillant que vous invitez à prendre la porte, hein, tout simplement. Il est défaillant, pour une raison ou pour une autre, vous l'invitez à changer d'employeur. Voilà. Cet ancien salarié mécontent, alors que vous êtes un transporteur, revient de nuit sur le parc où sont stockés où sont parqués tous vos véhicules et crève deux pneumatiques par camion. Donc c'est compliqué de changer de pneus par véhicule. Même si c'est une voiture, généralement, on n'a qu'une roue de secours. Donc on fait 20 véhicules, et on se retrouve à neutraliser pendant une journée, voire deux, parce qu'après, il faut retrouver les pneumatiques et il faut les faire remplacer. Hein. On ne peut pas le faire tout sur place. Donc vous voyez, vous avez d'autres vecteurs qui ont une atteinte à la sécurité économique. Et donc souvent, la sous-traitance, qui est aussi un jeu financier, un jeu au sens...
administratif du terme, hein, pas au sens plaisir. Et donc, le fait d'avoir plusieurs routes de secours, et là, c'est un jeu de mots, forcément, si vous avez un autre logisticien qui peut vous venir compléter le travail de votre logisticien principal, c'est intéressant pour vous, pour avoir une résilience en cas de problématique, de défaillance ou de suractivité. Parce que si votre principal sous-traitant en logistique ne peut pas absorber l'ensemble de votre surproduction, il va bien falloir découper le morceau. Voilà. Donc attention à la contractualisation de vos rapports avec vos clients et vos fournisseurs, avec des obligations légales et réglementaires qui peuvent s'imposer, tant en atteinte à l'environnement qu'en protection du droit du travail et le côté RSE maintenant, hein, c'est un vrai sujet. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui peut être produit, notamment dans les plans de continuité d'activité et plans de reprise d'activité. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux termes. Donc c'est l'anticipation du risque. C'est s'il y a une coupure de courant dans le quartier, est-ce que j'ai une solution de secours pour alimenter mes machines outils ? C'est tout bête. Sachant qu'on n'a pas que une défaillance du fournisseur d'électricité, il peut y avoir du sabotage parce que vous travaillez dans une filière qui ne plaît pas à tout le monde. Voilà, ça c'est un sujet aussi. En ce moment, on se radicalise dans tous les sujets et ça va des deux côtés. Hein. Donc ça devient compliqué pour certaines activités industrielles. Voilà. Donc, outre cette redondance dans la fourniture, c'est la même chose pour votre clientèle. Alors, généralement, dans les statuts juridiques, on voit les auto-entrepreneurs, ils sont censés avoir plusieurs employeurs. Mais c'est la même chose pour un industriel. S'il a un gros client et que ce jour-là, le client dit « Ben non, maintenant, je ne travaille plus avec vous, je travaille avec l'autre », et que vous n'avez pas prévu le coup, ça fait mal. Et ça, on le voit souvent parce qu'on a des belles pépites, notamment dans le bassin de la Loire, qui ont grossi très vite. Alors, soit qui n'ont pas anticipé le risque et qui sont assez faibles en sûreté, y compris physique, soit qui n'ont pas pris la mesure du risque en n'ayant qu'un gros fournisseur. Voilà. Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de constructions navales, beaucoup de constructions aéronautiques. À Rennes, on a la construction automobile. Hein, on a aussi l'industrie de la défense. Donc, on est chanceux dans le grand bassin nigérien. Donc, pensez-y, pour ceux qui n'y ont pas encore pensé, alors généralement c'est le cas, mais les petites pépites qui gonflent, qui recrutent et qui construisent un nouveau bâtiment et qui ne prévoient pas de contrôle d'accès et qui n'anticipent pas le fait que c'est intéressant d'avoir un autre gros client ou plusieurs autres petits clients pour amortir la vague parce qu'il y a aussi la saisonnalité, hein, de l'activité. Et donc tout ça, ce sont des événements à prendre en compte. L'avis juridique, je vous l'ai dit, c'est à la fois ne pas se laisser surprendre et aussi en influence la capacité à nuire légalement vis-à-vis de sa concurrence. Hein. Et si c'est vous le créateur de la norme et que les autres sont obligés de respecter cette norme, vous avez un train d'avance, à minima. Voilà. Donc ça, c'est le... Hein, vous allez à Bruxelles, c'est le jeu du lobbyisme. Voilà. Vous avez création de normes. On sait que les structures politiques européennes sont très productrices de normes. Et donc, n'hésitez pas à rentrer dans le bal, hein, dans la terrain de notre chère République. Voilà. Pour aller plus loin, parce que je ne suis pas venu avec des flyers, hein, je ne suis pas là pour vous endormir dès le matin, donc si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet, vous avez deux instituts étatiques, un du ministère de l'Intérieur et l'autre du ministère de la Défense, l'IHEMI, ex-INESJ, donc c'était Institut des hautes études de sécurité et de la justice, et puis tous les sites dont je vous ai parlé en lien avec l'activité de sécurité économique. Donc vous voyez la DGSI et la DRSD produit quasiment tous les mois. Alors c'est peut-être 10 sujets par an, sachant qu'il y a des sujets spécifiques. Quand il y a le salon de l'aviation et de l'espace ou quand il y a la Coupe du monde de rugby. Voilà. Il y a des fois des thématiques particulières parce qu'il faut protéger certaines activités à un instant T. Donc la DRSD et la DGSI produisent des flashs ou des lettres d'information en sécurité économique qui sont plutôt intéressantes. Alors des fois, il faut faire le tri, parce que suivant son activité industrielle, on est moins concerné. Et donc l'IHEDN, qui est le ministère des Armées, hein, et qui à la fois a sa propre industrie de la défense, alors souvent en sous-traitance, les industries de la défense ne font pas que de la défense, souvent, où il y a un mix. Hein, on peut dire qu'Airbus, par exemple, produit des avions commerciaux et des avions militaires. Voilà.
et aussi s'auto-protège, hein, le ministère des Armées, et puis il y a toujours la DRSD et la DGSE. Voilà. Donc c'est intéressant, sachant qu'ils ont aussi leur commandement de cyberdéfense, qui à la fois protège l'écosystème cyber du ministère des Armées, mais qui a aussi une capacité de veille et d'influence dans le cyberespace. Voilà. Ils sont très très à la pointe, parce que la guerre électronique, c'était le terme administratif de l'époque, était très en avant, très en pointe, hein, pour ceux qui ont connu, les plus âgés, malheureusement j'en fais partie maintenant, hein, ceux qui ont connu un peu la guerre froide, c'était un petit peu le jeu de l'époque. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez aussi le jeu des 8 familles de la sécurité économique, que vous pouvez trouver, hein, avec des fiches réflexes par thématique, c'est assez ludique. Et sur les 8 familles, il y en a une et demie qui parle de cyber. C'est-à-dire que la cyber, c'est ce que je disais, les cybercriminels. Donc il y a des cybercriminalités et non pas une cybercriminalité. Puisque, à mon sens, même si on utilise le mode opératoire, le criminel en lui-même et la finalité n'étant pas la même, on peut parler de différentes cybercriminalités. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, puisqu'il doit me rester 2-3 minutes, même pas. Voilà. Profitez-en, et puis au besoin, vous voyez, il y a l'adresse mail, j'ai mis les 2X, c'est le numéro du département, donc si vous n'habitez pas dans le 44, vous mettez le numéro de département qui vous concerne, et vous écrirez à mes petits camarades, qui vous répondront bien volontiers, puisqu'on a une montée en puissance, à la fois sur la prévention situationnelle, donc la sûreté, et puis sur la sécurité économique, puisque c'est un réel sujet, et on voit que la concurrence est féroce, voilà. Et ben, je suis dans les temps, comme quoi la gendarmerie arrive à l'heure. Hein, et n'hésitez pas à m'intercepter à la sortie, puisque je dois laisser la place à une autre personne après moi. Voilà, merci à vous.